quand Pascal est mort, il a laissé des fragments très connus qu'on a édités sous le titre des Pensées. Le livre qu'il projetait d'écrire devait s'appeler L'Apologie de la religion chrétienne. Alors, dans le milieu de la critique pascalienne, beaucoup se sont interrogés sur le plan que devait avoir l'apologie. Et finalement, s'il y a un intérêt éditorial à ce plan, l'intérêt philosophique, lui, est assez limité. Mais il s'agit de comprendre quel est le mouvement un peu de la pensée de Pascal et qu'on peut découvrir dans ses fragments, dans les pensées. Alors ce mouvement, mon ouvrage propose de le trouver dans la pensée des trois ordres. Il y a trois ordres de choses, nous dit Pascal, l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre du cœur. Cette pensée trouve des échos dans l'ensemble des fragments. Peut-être deux intérêts de ce livre. Le premier, c'est une manière de penser l'articulation entre la démarche de la philosophie et la démarche de la foi, non pas dans une succession ou dans une opposition ou dans une continuité, on pourrait dire, mais dans une articulation. Finalement, la science, la philosophie, l'étude de l'homme lui permettent de formuler des questions qui ne trouveront une réponse que lorsque l'homme s'ouvrira à une réalité, à un discours même qui le dépasse, le discours de la révélation chrétienne. Et puis deuxième intérêt, c'est la place que le corps trouve dans la pensée de Pascal. Le corps trouve finalement une position de médiation entre l'ordre de l'esprit et l'ordre du cœur. L'homme qui cherche la vérité de toutes les forces de son esprit, s'il veut s'élever à cet ordre du cœur, dans lequel il cherche aussi à être aimé, s'il cherche à s'élever par ses propres forces, il tombera dans l'orgueil, dans ce que Pascal appelle le moi, l'homme qui se fait le centre de tout. Mais s'il accepte de repasser par l'humilité du corps, à ce moment-là, l'ordre du cœur prend la figure de la charité, et à ce moment-là, l'homme parvient au salut et à Dieu.